Je vous présente officiellement le gaz vert tank à huile. Tout type d'huile. Il y a même tout type d'huile. Ici, en ce moment, nous utilisons l'huile rouge, comme vous pouvez voir. Je dis bien tout type d'huile. L'huile de vidange, l'huile rouge, l'huile de friture. C'est-à-dire que si madame, dans sa maison, a fait frire les poissons, la viande, et que l'huile est noire, elle peut utiliser l'huile rouge, hein, vous l'avez vu, l'huile rouge. Ok, vous l'avez vu, non? Ça, c'est l'huile rouge, l'huile rouge, l'huile rouge. Et c'est fabriqué au Cameroun par M. Tanke. Donc, désormais, tout type d'huile que vous avez chez vous, si ton gaz finit, si l'huile de vidange finit, si l'huile de friture finit, tu prends l'huile rouge. À très bientôt. Les prix en commentaire. Le numéro en commentaire. On a plusieurs modèles. C'est-à-dire que vous pouvez voir. Regardez vous-même. Là, on a plusieurs modèles. Donc, si vous passez la commande, même si c'est 20 pièces, n'importe combien de pièces, on vous livre. Vous avez vu, non? Plusieurs modèles. Et pour ceux qui font dans la restauration, il y a un modèle plus grand. Plus grand. Ceux qui font dans la restauration, voilà un modèle plus grand. Comme vous pouvez voir, c'est encore l'usine, on est en train de travailler. Il y a les, vous avez vu, non? Il y a le stock. Il y a le stock. Vous devez partager cette vidéo pour montrer aux yeux du monde que les Africains aussi essaient de créer, essaient d'inventer, essaient d'innover. Vous comprenez? C'est vrai qu'on n'est pas encore parfait, mais il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en train de te faire. À très bientôt, tu partages. Si tu passes la commande, il y a le numéro. À très bientôt. Ah, ça arrête à voir. Vous avez là une situation qui devait émerveiller tous les Africains. Les amis, vous voyez, on fait du feu avec de l'huile rouge. C'est-à-dire que le gaz domestique a été remplacé avec de l'huile rouge. L'huile rouge que vous partez au marché, achetez le litre à 800 francs là. Vous avez vu un Camerounais. Je voudrais rappeler en fait que c'est un Camerounais qui a réussi à fabriquer un four qui permet de préparer les aliments que nous consommons à la maison avec, en transformant l'huile rouge à du gaz. Je ne sais pas si j'explique très bien. Je ne sais pas si je vais utiliser cette terme pour pouvoir l'expliquer. Vous avez très bien vu la vidéo. Vous devez simplement partager. C'est incroyable. Lorsqu'on voit des œuvres africaines et camerounais comme ça, c'est une innovation. Nous devons simplement encourager en les diffusant et en partageant pour qu'en fait, le confrère, bien le frère qui a produit ça puisse avoir peut-être le financement ou bien du gouvernement ou bien des instances de l'Afrique ou bien de l'Europe même pour pouvoir développer son activité. Vous comprenez? Remplacer le gaz domestique à part de l'huile rouge, c'est incroyable. Il faut partager pour que les Européens sachent que l'Afrique est en train d'être développé. Que le gaz domestique qu'ils ont l'habitude d'envoyer les Français venir bombarder l'Afrique à cause des choses comme ça là, qu'aujourd'hui, même avec l'huile rouge, parce que nous on cultive déjà l'huile de palme, on peut faire ça avec l'aluminium pour faire le four comme vous avez vu. Et puis, on s'en sort. Non, non, plus sérieusement les amis, nous devons encourager, n'est-ce pas, ce frère. C'est une innovation incroyable. Fait remplacer du gaz domestique par de l'huile rouge, uniquement de l'huile rouge. Vous avez suivi là, il y a bien d'autres substances qui peuvent remplacer cette huile-là. C'est incroyable. On partage simplement, c'est tout. C'est ce que je voulais dire, on partage simplement.